Bonjour Pierre, Monsieur Pierre Ngolo, Bonjour, oui. vous êtes le secrétaire général du Parti congolais du travail, un des partis les plus anciens du Congo, allant du président Marien Ngouabi au président Denis Sassou Nguesso, de la conférence nationale souveraine à l'époque de Magenta, et aujourd'hui vous êtes à la structuration, à la restructuration du parti au niveau de la Fédération France-Europe. Pourquoi aujourd'hui? Bon. Il importe de dire que le Parti congolais du travail n'est pas l'un des partis les plus anciens. C'est le parti le plus ancien et c'est le parti le plus grand. Bon, maintenant, pourquoi restructuration du PCT en France et en Europe aujourd'hui? Cela obéit simplement à un programme que nous avions arrêté. Et c'est un programme qui remonte, qui remonte à 2011 et nous devrions terminer cette année avec... Brazzaville, la Likouala et le Rwanda. Brazzaville, nous avons tenu l'Assemblée générale élective le 5 mars. La Likouala, nous avons bouclé le 8 mars. Il restait la France et l'Europe. Ceci, dans notre programme annuel, était projeté pour le premier trimestre. Nous n'avons pas pu. Et maintenant, l'opportunité s'est offerte. Nous sommes venus pour boucler le travail de restructuration du parti. Et donc, nous allons ici tenir l'Assemblée générale qui va mettre en place la Fédération France, de même que nous tiendrons l'Assemblée générale qui mettra en place une structure Europe adaptée à la situation de l'Europe. Voilà. Alors, une structure adaptée à la situation de l'Europe, Pierre Ngolo, tel que vous le dites, en tant que secrétaire général du PCT, il faut quand même le souligner que c'est pour la première fois qu'on reçoit ici à Paris, dans le cadre de la Fédération PCT France Europe. Rapidement, vous arrivez ici à Paris dans un contexte où l'actualité politique est quand même assez dense. L'opposition est remuante ici à Paris. Vous venez à ce moment-là organiser le PCT France Europe. Qu'est-ce qui explique d'emblée le silence en fait de ce parti ici à Paris depuis quelques années? Bien, le silence du parti était dû au fait que le parti n'était pas encore organisé. Nous avions ici une structure ad hoc. Donc, bon, mais c'est une structure d'exception et qui a fonctionné avec les limites qui sont les siennes. Et nous savons que l'espace de Paris est un espace particulièrement important. Il nous faut ici avoir une structure qui soit en mesure de répondre. Et voilà pourquoi nous avons voulu combler le vide. Il faut avoir un PCT fort en France, comme il faut avoir un PCT fort partout pour être en mesure d'abord de relayer ce qui se fait au niveau national, tout aussi bien au niveau du parti qu'au niveau du gouvernement. Et pour être en mesure aussi de donner réponse, ou surtout, à une certaine opposition qui excelle par un certain travail de désinformation. Et comme la place de Paris se trouve être cette place-là, où finalement l'opposition semble... être bien assise et semble mieux s'exprimer, nous pensons qu'il faut à Paris, en France, la présence du Parti congolais du travail pour donner la réponse qui convient à cette opposition qui, objectivement, n'a pas l'argumentation. Objectivement, l'opposition n'a pas de force pour tenir face au Parti congolais du travail, pour tenir face aux institutions actuelles de la République. Si ce n'est que, faire comme elle sait le faire, de la manipulation, de la désinformation, de l'intoxication. Visiblement, Paris, l'opposition donne de la voix. Il y a eu, il y a quelques jours, ici à Paris, des assises. Un petit commentaire par rapport à ça, ces assises pour l'alternance en 2016. Et encore, nous avons vu des gens se lever ici à Paris pour dire et surtout demander la création d'un État du Sud-Congo. Un commentaire, Monsieur Pierre Ngolo? Je n'ai pas de commentaire à faire. Je pense que l'opposition congolaise est une opposition responsable. Et si elle est responsable, elle devrait savoir que le Congo est un et indivisible. Des gens qui se lèvent pour la partition du Congo, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils méritent un regard attentif des Congolais sud-congolais. Je ne sais pas, mais je suis interrogateur. Et par ailleurs, l'opposition, semble-t-il, s'est retrouvée pour donner une opinion sur la situation du Congo, sur la gestion du Congo.
J'espère que là, elle a fait l'effort de s'élever pour apprécier d'abord la situation du Congo telle qu'elle se présente et pour voir que d'abord le Congo est en train d'évoluer à tout point de vue. D'abord, il y a une démocratie qui est en train de se construire au Congo. Elle se construit. Hier, c'était, des interrogations. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. La démocratie se construit au Congo. Et on doit le reconnaître. C'est sûr qu'il y a encore des lacunes. Mais nous travaillons à les corriger, en impliquant tout le monde. Voilà pourquoi, de façon constante, nous entretenons cet esprit de dialogue, d'échange, même avec l'opposition. Avant que je ne vienne ici, nous avons eu une série de rencontres avec l'opposition. Nous avons eu une série de rencontres avec la classe politique congolaise. Et toutes ces rencontres-là sont actées par des communiqués conjoints, par des déclarations. Co-signées. Co-signées. Ça veut dire que le Parti congolais du travail a la parole. Je veux aussi que l'opposition ait la parole, comme les autres. Et j'espère. Tous aussi pour faire que notre démocratie avance dans un climat de paix après des situations difficiles que le Congo a vécues après son entrée en démocratie. Vous avez prévu le dimanche 22 juin une rencontre citoyenne avec les Congolais de la diaspora. Vous avez un message spécial à les livrer ? Nous voulons écouter les Congolais de la diaspora et nous voulons échanger. Nous n'avons pas de message particulier. Vous savez ce qui se fait au Congo. J'ai dit que le Congo est en train, petit à petit, de construire sa démocratie. Le Congo est sur la voie de sa construction en vue de l'émergence. Eh bien, comment tout ceci est perçu par les autres? Nous donnons notre opinion et nous voulons avoir celle des autres pour que, dans un effort de synthèse, nous cherchions le juste milieu. Pour aller toujours de l'avant, il faut que le Congo progresse. Et j'espère que la diaspora congolaise s'inscrit dans cette dynamique de construction du pays, de consolidation de sa démocratie et de la marche du Congo vers l'avant et vers l'émergence. Par rapport à cette marche vers l'émergence, Pierre Ngolo, vous avez été un responsable important au niveau de la CEMAC. J'aimerais aujourd'hui avoir votre avis sur la situation, un climat assez tendu entre les deux Congos et surtout... Est-ce que vous craignez qu'il y ait des répercussions au niveau aussi régional, notamment par rapport à la libre circulation des personnes et des biens? Eh bien, j'ai été le premier président du Parlement CEMAC, investi le 15 avril 2010, le premier président du Parlement CEMAC. Et la CEMAC, c'est un espace de 6. Mais la question que vous posez n'est pas en rapport avec la CEMAC, malheureusement, parce que la RDC, ce n'est pas la CEMAC, c'est la CEAC, une autre communauté. Il se passe entre le Congo et la RDC, pas une situation particulière. Il y a simplement que nous avons enregistré depuis un certain temps au niveau du Congo des problèmes d'insécurité, des problèmes... Et ceci... a appelé des responsables du Congo, soucieux de la sécurité des citoyens, soucieux de la paix qu'il nous faut consolider, ceci a appelé des responsables du Congo un certain nombre de dispositions à prendre. Et comme l'investigation a débouché sur ce que finalement la situation qui prévalait et qui n'était pas une bonne situation, et du fait aussi et surtout de la présence étrangère, eh bien, il fallait donc faire un travail de contrôle. Et c'est ce travail qui se fait. Et malheureusement, quand ce travail se fait, la situation sur le terrain est telle que, eh bien, la présence étrangère la plus importante, c'est celle des citoyens du RDC. À ce moment-là, il faut vérifier s'ils sont en situation régulière ou non. Et tous ceux qui ne sont pas en situation irrégulière devraient donc faire que leur situation se conforme aux lois et règlements de la République. Ainsi, des citoyens de RDC qui avaient été identifiés comme responsables d'un certain nombre d'actes
mais ils ont été reconduits aux frontières. Et tous ceux qui étaient en situation irrégulière, qu'ils soient de RDC, qu'ils soient d'autres pays, de la CEMAC ou non, bien subissent le même traitement. Parce que quand même, le Congo est un pays et qui a ses lois, qui a ses règlements et qui mérite d'être respecté. Si on exige les citoyens du Congo qui respectent les lois et règlements du Congo, on ne peut pas attendre de ceux qui viennent par générosité de Congolais et qu'ils se tiennent en opposition de phase par rapport à ce que nous avons comme texte. Voilà ce qui se passe. Mais c'est une opération régulière qui ne devrait pas engendrer une tension entre les deux pays. Mais vous savez que le Congo et la République du Congo, c'est deux pays voisins. Les peuples sont les mêmes peuples, c'est des peuples frères qui entretiennent de tout temps une relation de complicité. Mais c'est des États. C'est des États. Et chaque État se préoccupe de la situation de ses citoyens, de la sécurité de ses citoyens. Il y avait au Congo une situation qui appelait que des dispositions soient prises. Elles sont prises. Regrettez-vous les excès? Nous avons toujours dit que cette opération, qui est une opération salutaire, devrait se passer dans des conditions de respect strict de la loi, dans le sens du respect de la dignité de la personne humaine. S'il y a eu des excès, ils sont à déplorer et tout est fait pour corriger. Aujourd'hui, l'Afrique semble en danger, en insécurité face au phénomène du Boko Haram qui aujourd'hui sévissent jusqu'en RCA. Et que pensez-vous au fait au niveau de la sécurité de l'Afrique et de ce que fait le président de la République, Denis Sassou Nguesso, par rapport au problème de la République centrafricaine? Nous étions déjà en Afrique sur une bonne voie. On allait vers une véritable Union africaine. Vous savez, le passage de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, ce n'était pas que une clause de style. Ceci avait un sens profond. C'était une ambition d'avoir une Afrique solidaire et engagée sur la voie de la construction. Ainsi, on a pensé à la création d'un Parlement panafricain, et qui aujourd'hui existe. Et qui aujourd'hui existe, et qui est basé en Afrique du Sud. Parce que le Parlement, eh bien, c'est la représentation des citoyens de l'Afrique tout entière. Donc, on ne pouvait pas envisager cette union sans se préoccuper des questions économiques. On ne pouvait pas envisager cette union sans se préoccuper de la sécurité des citoyens d'Afrique qui devraient circuler à terme, hein, circuler librement dans l'espace africain, et qui devaient se sentir en sécurité dans l'espace continental. Et il se trouve malheureusement que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on suit l'actualité, et puis on est en droit de déplorer cette espèce de recul. Et vous avez évoqué le cas de Boko Haram, ce qui se passe non loin de chez nous, au Nigeria. C'est une situation préoccupante. Les chefs d'État d'Afrique, bon, certains chefs d'État se sont retrouvés ici en France pour voir comment, ensemble, se mobiliser, conjuguer les énergies pour faire face à cette situation. Et vous avez dit, ça atteint la RCA, c'est déjà la CEMAC. La RCA, c'est déjà le Congo. Donc, c'est pas loin du Congo. Et cette situation est préoccupante. Elle appelle la mobilisation de tous les Congolais. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des femmes, des jeunes filles, des lycéennes, qui sont prises et qui sont otages. Et la liste est en train de s'allonger. C'est une situation dramatique. Et l'Afrique n'ira pas vers le développement. L'Afrique n'ira pas vers l'union
tant que sévira dans notre continent ce climat de terreur, d'insécurité, et qui manifestement obstrue tout ce qui est entrepris dans le sens de la construction, dans le sens du développement. Pierre Boulot, confirmez-vous la construction de la plus grande mosquée d'Afrique centrale à Brazzaville? Ah, ça, je ne peux pas dire. Hein. C'est vous qui me donnez l'information. Je ne sais pas si c'est une ambition pour le Congo, qui n'a pas la réputation d'être un pays musulman. Je ne sais pas. D'abord, le Congo est un pays laïque. Merci, parce que c'est une information qui circule sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. C'était normal que nous puissions, auprès de vous, avoir une réponse plus officielle. Je ne sais pas si tout ce qui se dit là-bas, c'est vraiment de la vérité vraie. Moi, je suis interrogateur.